Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaille, partenaire officiel de la télé de Lyon. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce journal d'information locale le 12h10 en simultané sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Je suis très heureux et content de vous retrouver aujourd'hui. Figurez-vous que vous avez été plus de 12 600 personnes à nous suivre cette semaine à travers nos reportages. Merci de votre fidélité et merci pour les jeunes qui fabriquent tous ces sujets chaque semaine. Allez, voici le sommaire de ce journal. La semaine dernière s'est tenue une lecture pour la 9e édition du festival Culturissimo dans le théâtre de Sens, une rencontre passionnante avec le comédien Michel Villermoz. Économie avec la rencontre de dirigeants organisée par l'association des Voguillettes s'est déroulée dans l'espace de restauration de Fun Space dans la zone des Voguillettes à Sens. Et puis nous avons rencontré l'EDC, c'est une école de la deuxième chance qui est à Joigny, qui nous a ouvert ses portes pour nous présenter et nous expliquer ce qu'est l'école de la deuxième chance. Et entre chaque reportage, bien évidemment, nous parlerons, parce qu'aujourd'hui nous avons un plateau riche, c'est un plateau sous le signe de la culture, et nous parlerons donc du ruban vert et le lancement d'un projet inédit dans le nord de Lyon, le chemin d'artiste, ou plutôt chemin d'artiste plus exactement. Voilà, et pour en parler, qui de mieux que sa présidente, Claire Tutenui. Bonjour Claire. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien. Merci d'être venu. Merci d'avoir tant de monde qui regarde. Eh bien, écoutez, tant mieux. Et j'espère qu'il y en aura encore plus qui vous regardent. Et puis, on a également sur le plateau l'adjointe à la culture. Il s'agit de Béatrix Zeppa. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Merci d'être venu jusqu'ici aussi pour accompagner, effectivement, l'association. Voilà. Et bien, on parlera de tout ça après. Puis, à côté, on a un des artistes parmi 28 autres, je crois. Voilà. 24, voilà, parce qu'il y a 36 œuvres, je crois. Voilà, c'est ça, j'allais dire 36 artistes. Non. Et c'est chiant. Merci en tous les cas à Bernard d'être là. Bernard, un des artistes dont on parlera justement tout à l'heure. Moi, je te connais bien, Bernard, donc on va se tutoyer puisqu'on se connaît tous bien. Et tu es venu aussi avec une œuvre que tu vas nous présenter aussi, une œuvre que t'as, qui n'est pas sur le parcours. Ce qui n'est pas sur le parcours. Mais en tous les cas, on a une belle photo de toi quand tu as installé ton œuvre. Voilà. Ouais. Et puis, on fait un coucou évidemment à tous les autres artistes qui ne pouvaient pas être aujourd'hui. Vous imaginez bien, on n'a pas la place pour recevoir tout le monde. Merci en tous les cas à l'association Ruban Vert d'être venu ici. Et puis, en fin de JT, dans les 5 dernières minutes, on parlera aussi de l'auteur, de l'écrivain Philippe Fraud. Ça fait 3-4 fois que tu viens sur le plateau nous présenter systématiquement ton œuvre. Et là, on a la chance d'avoir le 10e ouvrage. C'est ça, Philippe? Oui. Voilà. Et qui s'appelle « Avec mes fils, retrouvons-nous ». Tu ne l'as pas dit tout à l'heure. et voilà, il y a chaque fois, donc entre chaque reportage, on démarrera par toi, évidemment, présidente de l'association, pour nous parler du chemin des artistes. Et ensuite, ce sera votre tour, madame l'adjointe, ton tour, plutôt Béatrix, parce qu'on se connaît. Et ensuite, le tien. Et on finira par les artistes. Ça va faire et tous les artistes. Avec tous les artistes. Ça marche. Et puis voilà, évidemment, à chaque fin de ce JT, on vous présentera les sorties sportives, les rencontres sportives, pardon, et les sorties culturelles du week-end qui vous sont proposées par la rédaction Les Jeunes qui nous entourent. Voilà. Et puis, je vous propose de démarrer tout de suite gentiment, calmement, ce JT d'information locale. Et on commence par Sens, ou plus particulièrement au Théâtre de Sens. C'est avec Michel Villermoz, le comédien, qui était présent pour une lecture de l'ouvrage « Le grand monde » de Pierre Lemaître. Ce sont les espaces culturels Édouard Leclerc qui, donc, comme chaque édition, a organisé cette 9e édition. C'est un reportage de votre serviteur et Charline Massetti. On regarde ça tout de suite. Les 12 et 13 mai derniers a eu lieu la 9e édition du festival Culturissimo. Cet événement, organisé par l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-les-Sens, a accueilli Marie-Aude Muraille, autrice, et Michel Villermoz, acteur et comédien. Le vendredi soir, au théâtre municipal de Sens, le comédien a lu un extrait de l'ouvrage Le Grand Monde de Pierre Lemaître. C'est pas la première année pour moi pour le festival, non, ça doit être mon 7e ou 8e festival. Oui,
Je suis un fidèle et le festival m'est fidèle. Donc je retrouve ouais, chaque année dans cette période-là, mai, juin, quand je ne suis pas occupé par le théâtre ou tournage, ben je viens avec grand plaisir. Et je suis assez rompu à l'exercice. Je lis très souvent ou j'enregistre. Donc c'est un exercice que je fais très régulièrement. L'arbre avait soudain basculé en travers de la route devant le camion de tête. Dès que les véhicules s'étaient arrêtés. Après ce choix du texte, bon, c'est Culture et Simo qui me l'a proposé. Il se trouve que je connais un peu Pierre Lemaître, que j'avais été dans Au revoir là-haut, le film réalisé par Albert, l'adaptation de son roman, que j'ai lu pas mal de ses romans d'avant Au revoir là-haut, même jusqu'aux Couleurs de l'incendie. Et donc, j'étais pas en terrain inconnu. Souvent, même sur scène, quand on est comédien, il faut arriver à faire passer des émotions, des sentiments en étant fixe. Donc non, j'ai pas de difficulté avec ça. Que la salle soit pas dans le noir, je trouve ça plus convivial aussi qu'il y ait un petit peu les spectateurs dans une pénombre, mais pas dans le noir. C'est pas un spectacle, c'est une lecture. Donc ça reste un exercice où on doit se sentir que voilà, je vous mets pas dans le noir, je ne vous présente pas un spectacle. On est ensemble. Ouais, je vais essayer de vous faire entendre une œuvre, enfin en tout cas un extrait de l'œuvre de Pierre Lemaître. Merci beaucoup à Philippe Villiremos de nous avoir consacré 20 minutes, alors qu'il n'y en avait que 10 de proposer. Et on a réussi à garder 20 minutes avec nous lors de cet entretien. Et merci aussi à l'Espace culturel Leclerc de Saint-Clément. Tout de suite, si on parlait encore et encore de culture, d'un événement extraordinaire qui va se passer sur le nord du département. Claire, tu te nuis, tu es la présidente de l'association Le Ruban Vert. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Il va se passer que c'est la fête de la culture, mais c'est aussi la fête de la nature. Et on est dans le cadre de la fête de la nature internationale. Et on a voulu justement allier les deux pour élargir le public des gens qui aiment la nature et qui y vont et qui l'apprécient. Et l'élargir aux gens qui aiment l'art, l'élargir aux sportifs, parce que c'est une randonnée. Oui. Et puis l'élargir en fait à tout le monde, parce que tout le monde peut y aller, c'est gratuit. Et c'est une manifestation qui va être inaugurée demain. Et qui va durer tout l'été. Donc écoutez et retenez ça pour tout l'été. Demain, le vernissage, à quelle heure ? 11h moins le quart, à la gare de Villeneuve-sur-Yonne. Et on part Et on part ensemble. Directement avant 11h. Très bien. Et on va voir, on va parcourir cette randonnée et qui est bordée de temps en temps par des œuvres d'artistes. Et on a 35 œuvres, ouais. 24 artistes. Locaux, nationaux, internationaux, de rayonnement international, à peu près la moitié d'artistes de Lyon, la moitié d'artistes d'ailleurs, et qui ont parcouru ce même chemin et été inspirés et créé des œuvres avec les matériaux naturels, beaucoup de matériaux trouvés sur place, mais qui ont été inspirés. Donc il y a une alchimie qu'on a que là, parce qu'aussi on a marché avant d'arriver à une œuvre, et on se trouve dans un site avec quelque chose de merveilleux. Donc c'est vraiment une expérience très très différente que de venir dans un musée, même si, grâce à la ville de Villeneuve-sur-Yonne, les mêmes artistes vont aussi exposer au musée. D'accord. Donc il y aura les deux. Mais franchement, c'est important de faire cette randonnée parce qu'on se rend compte à quel point la nature apporte une dimension extraordinaire. Donc voilà, on est tous concernés et l'objectif de cette manifestation, c'est d'amener toujours plus de monde à apprécier à quel point la nature est utile. Donc demain, rendez-vous à... Rendez-vous 11h moins le quart à la gare de Villeneuve. À la gare de Villeneuve-sur-Yonne. Un petit mot quand même, Claire, si tu veux bien, sur cette association. Elle a été créée en 93. C'est une association de personnes conscientes des enjeux de la biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Vous avez donc décidé d'agir à un niveau local pour protéger et restaurer un corridor écologique. Je reprends ce que j'ai trouvé évidemment sur votre site internet. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet qui est très riche. Vraiment. Et c'est d'abord et avant tout pour vous, non pas une lutte, je dirais plutôt même un combat pour préserver nos milieux naturels. C'est un combat, mais il est positif. Ce qu'on veut, c'est que de plus en plus de monde se rende compte à quel point ces enjeux du climat et de la biodiversité sont criants, ils sont urgents, on est tous concernés, et ils ont besoin, la nature aussi en a besoin. La nature est concernée, on sait que les espèces, on voit des arbres qui meurent de sécheresse, et ben ils vont aussi migrer à leur vitesse, lentement, autant le dire, mais les animaux aussi, les papillons, les oiseaux, et tout le monde a besoin de migrer vers le nord, l'ouest, pour avoir un peu moins chaud.
Et donc la nature a besoin de corridors où elle puisse le faire spontanément, à son rythme, qui est déjà compliqué, extraordinairement rapide. Et donc cette notion de corridor, c'est laisser un endroit entre la forêt d'Othe, qui est un grand milieu naturel, et les bois et les étangs du Gâtinais, qui fait partie de la trame verte nationale, et qu'on essaye de laisser le plus naturel possible. Et pour ça, il y a besoin de tout le monde. Absolument, et vous traversez évidemment, de par votre association, beaucoup de communes sur le Nord. Je vais les citer, on avait dit qu'on ne les citerait pas, mais je vais les citer parce que je viens de retrouver ma liste. Comme ça, on n'oubliera personne. Bussy-le-Repos, Les Bordes, Chaumont, Dîmont, Aiguiselle-le-Bocage, de Marsangis, Piffon, Passy, Rousson, Savigny-sur-Clarisse, Vernois, Véron, Villeneuve-sur-la-Donga, la Dombagre. Pas facile à dire, mais c'est pas grave. Et Villeneuve-sur-Yonne, bien évidemment. Voilà. C'est déjà beaucoup de communes dont il faut effectivement s'occuper, si je puis dire. Alors, il faut s'occuper, il faut surtout faire en sorte que des gens s'en occupent dans toutes ces communes. Et donc, dans pratiquement la plupart de ces communes, on a des initiatives qu'on facilite, qu'on aide, qu'on stimule. Et donc, ça va de plantation de haies à Villeneuve-la-Dombagre ou à Aiguiselle-le-Bocage, de restauration de mares, et on va faire un programme cette année avec le département et la SHNA de restauration de mares, de sortie nature pour les enfants des écoles, et il y en a beaucoup à Véron, et dans maintenant de plus en plus de communes, c'est très apprécié. Et on va reparler des écoles, parce que les écoles ont fait des œuvres aussi. Écoles de Villeneuve-sur-Yonne, il y a deux écoles et le centre de loisirs qui ont fait des œuvres, Béatrix en reparlera. Donc, créer du lien avec la nature, plus c'est fait jeune, et mieux ça vaut. Donc on est très intéressé par les activités avec les jeunes. On fait des sorties nature, des conférences, et donc on essaye de toucher le maximum de monde et d'inspirer, et de faire en sorte que de plus en plus de gens se disent « Mais oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai cette petite perle de nature dans mon jardin, au bout de mon champ, et je peux faire quelque chose, et finalement, c'est pas mal. » Et on a des agriculteurs qui vont maintenant semer des herbes, des plantes de biodiversité. Ah oui, donc ça veut dire que c'est une vraie rencontre aussi. Donc c'est des rencontres entre des gens qui peut-être parfois ne se parlaient pas beaucoup et qui commencent à trouver que c'est intéressant de se parler. Chemin des artistes, donc ça sera jusqu'au mois de septembre. Vous avez tout l'été pour aller découvrir ces espaces naturels et artistiques en même temps. Donc ça démarre demain, rendez-vous donc à 10h30, on a dit, c'est ça, voilà, à Gare de Villeneuve-sur-Yonne pour tous ensemble aller découvrir. Alors, je ne vais pas mentir, moi j'ai découvert une partie des œuvres qui sont sur place puisqu'on prépare des petites pastilles vidéo qui permettront justement à tous, avec son portable, d'arriver devant une œuvre. Et ensuite, il y aura une petite pastille vidéo qui expliquera par l'artiste, justement, qui il est et ce qu'il a fait, quelle est cette œuvre et pourquoi elle est dans cet environnement-là. Voilà. Donc ça, c'est très ludique et il y a une vraie interactivité. Voilà, c'est aussi, la randonnée est aussi sur Visorando pour les randonneurs. Donc on la trouve, elle n'est pas encore publique, mais on peut la trouver sur notre site et après la charger et s'en servir. Et puis l'ensemble est vivant jusqu'à 18 septembre, fête du patrimoine. Et on peut faire des visites guidées. Il y a un calendrier où on peut réserver un guide pour faire une visite guidée. Il y aura des événements aussi au milieu pour les Nuits des Forêts, pour une randonnée théâtre le 6 juin. Enfin, donc, il y aura un ensemble d'événements qui vont se passer, la Nuit de la Chauve-Souris aussi. Donc, il y a un ensemble d'événements qui vont se passer durant tout l'été. Donc, vous pouvez commencer à prévoir avec vos amis une visite. Il y a des lieux de pique-nique et tout ça devrait attirer beaucoup de monde. Et on est extrêmement reconnaissant à tous ces artistes qui ont fait ces créations en confiance, gratuitement, il faut le dire, sans rémunération, mais qui ont été inspirés par le projet, par la nature, et qui ont fait des choses vraiment magnifiques. Donc on invite tout le monde vraiment à venir voir ça, c'est exceptionnel. Très bien, et vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations-là sur le site internet rubanvert.net. Voilà, et évidemment l'office de tourisme, j'imagine, de Villeneuve-sur-Yonne. Béatrix. Le musée Galerie Carnot, tu veux dire, non? Je pense que oui, l'information ne sera pas diffusée par l'Office du tourisme. Il y a un petit changement, l'Office du tourisme, BIT, oui, bien sûr, mais il y a une petite réorganisation au niveau de l'Office du tourisme, l'Agence d'attractivité. J'ai pas suivi ça. voilà, donc actuellement, le BIT est fermé, mais bon, le musée Galerie Carnot va rester ouvert. Donc, par ce biais-là, par la présence de... L'information sera diffusée, bien très évidemment. Très bien. On est sur les deux agendas. La manifestation et sur tous les agendas, normalement. Absolument. On va continuer de discuter, évidemment, de ce chemin d'art
et de l'association Ruban Vert. Entre-temps, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Sens. Rien à voir, vous allez comprendre. C'est à Fun Space, dans la zone des Vauguilliettes, où s'est rencontré un certain nombre d'entreprises, en l'occurrence l'association des Vauguilliettes, une rencontre de dirigeants. Voilà, c'était la première journée de rencontre des Vauguilliettes pour justement faire connaître l'association des Vauguilliettes. L'événement était sous le signe de la sécurité avec la présence de Form You, où il y a eu des moments très importants sur la sécurité dans les entreprises. C'est un reportage de Damien Esnault et Kevin Arnaud. Au parc de loisirs Fun Space situé à Sens, s'est tenue la première rencontre de l'association des Vauguilliettes. Une rencontre dans le but de mettre un point sur cette zone industrielle et en expliquer les objectifs pour l'avenir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de vous présenter un petit peu les objectifs et tout de l'association. Thierry Hoffmann, président de l'association, animait cette réunion ainsi que l'adjointe de la mairie de Sens et des organismes de formation pour sensibiliser les dirigeants sur le sujet de la sécurité. Alors aujourd'hui, on a été très très contents de recevoir toutes les entreprises des Vauguilliettes, en une grande partie en tout cas, puisqu'il y avait près de 100 personnes aujourd'hui identifiées, en partenariat également avec la mairie de Sens, Clarisse Quentin et tous les services. Cette rencontre, déjà, aujourd'hui, c'était la première. Donc l'idée, c'était de dire, association, qui sommes-nous? On fait quoi? Et on va servir à quoi? Je viens ici à l'invitation de l'association des Vauguilliettes pour parler avec les entreprises qui adhèrent à cette association de ce que la ville et l'agglomération font pour développer cette zone avec la commercialisation de 42 hectares au nord de la zone des Vauguilliettes. On a présenté aujourd'hui donc l'association des Vauguilliettes et moi ma partie santé sécurité au travail. Moi ce que je peux proposer aux entreprises c'est tout simplement un accompagnement pour se mettre en conformité de la part des formations mais aussi de l'audit et du conseil. Moi évidemment je suis ravie de toujours pouvoir faire connaître l'entreprise Fun Space auprès des acteurs locaux, des entreprises. Puis ça nous permet aussi de voir les perspectives de développement de cette zone des Vauguilliettes grâce à l'intervention de Clarisse Quentin. Retour sur ce projet Chemin des artistes par l'association Le Ruban Vert, mais cette fois-ci avec Madame l'adjointe à la culture. Béatrix, merci encore une fois à toi d'être venue ici. Sur ce projet, quel est l'accompagnement par la commune de Vineux-sur-Yonne? Alors l'accompagnement, il a été fait par étapes. D'abord une prise de contact. L'association Le Ruban Vert est une association qui est bien connue, en tout cas bien connue par moi et puis par les gens de certaines personnes qui habitent Villeneuve. Et je suis très sensible au respect de la nature, écosystème et puis toutes les dégradations écologiques que nous sommes en train de vivre et de dont nous nous rendons compte de subir actuellement. Donc ça c'est un fait établi et puis nous avons donc été contactés pour ce projet de Land Art, puisqu'on peut parler de Land Art, que j'apprécie beaucoup. Et donc il a été pris contact avec notre médiatrice de musée Galerie Carnot qui s'appelle Maggie Albertelli. Et il y a eu un travail de préparation, de longues séances de travail, avec un travail en amont qui a été fait par le Ruban Vert, qui est une association que je trouve absolument géniale, au point de vue organisation, ils sont très structurés, enfin voilà. Et donc il y a eu un travail de rencontre, Oui, moi je voulais surtout dire que c'est né au premier festival de Land Art, qui était à Villeneuve-sur-Yonne, et où les premiers artistes, c'est ceux qu'on a rencontrés là, et qui ont trouvé que faire un festival hors les murs, c'était une idée à explorer. Voilà. Donc merci. Oui, parce que là, c'était les amis du vieux Villeneuve qui avaient donc organisé ce festival Land Art, enfin ce festival, cette exposition Land Art dans les parcs du relais à Villeneuve-sur-Yonne. Donc ça a été facile de dire oui.
à ce projet-là. On ne s'est même pas posé la question. Oui, moi, j'ai été contactée. Parce que j'imagine qu'il faut des autorisations, là où vous êtes installé, etc. Oui, bien sûr, puisqu'il faut, découvrir le terrain, il faut solliciter les propriétaires des terrains, solliciter les services techniques pour l'aménagement éventuel du trajet. Ça passe quand même sur des circuits de GR, donc il y a aussi les associations de randonnée qu'il faut contacter, donc c'est un très gros travail, une interconnexion qui se fait entre diverses personnes. Donc pour une municipalité, ce genre de projet qui est lourd pour une association, ce genre de projet que vous accompagnez assez facilement à la mairie de Villeneuve-sur-Yonne ? Oui, on est très demandeur et très à l'écoute des différentes initiatives qui peuvent être faites de la part de l'association, de gens de bonne volonté pour essayer de mettre en valeur notre patrimoine, patrimoine culturel au sens large, parce qu'après il faut évidemment, moi j'ai mes affinités, mes sensibilités, mais il faut quand même essayer d'élargir un petit peu et essayer de toucher le plus de monde possible pour que les gens se sentent attiré par l'événement, par la chose. Mais je dirais que ça passe aussi, ce genre de sensibilisation, aussi beaucoup par l'intervention au niveau des scolaires. Je tenais oui, on donc, en a parlé tout à l'heure, voilà, voilà. Ouais. Parce que notre politique actuelle culturelle de Villeneuve, qui avait lieu aussi par ailleurs auparavant, mais bon, là, maintenant, comme je suis partie prenante et je suis spectatrice directe, on va dire en tant qu'adjointe, je trouve qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait au niveau de l'interconnexion, au niveau des scolaires, hein, de la participation, que ce soit au niveau artistique, enfin, d'un point de vue peinture, par le biais du musée Galerie Carnot, que du point de vue résidence théâtrale, puisque nous avons la chance aussi d'avoir un superbe théâtre et d'avoir en résidence depuis 2 ans... une compagnie qui s'occupe d'accueillir des compagnies théâtrales, redynamiser le lieu pour... et là, il y a une intervention, il y a une participation des scolaires ou du centre de loisirs, ou des enfants, ou des ados, qui est très, très, très importante. Transmission, apprentissage. Oui, tout à fait, parce que les enfants, les ados, les adultes, enfin tous, il faut sensibiliser tout le monde et pas créer de barrières, j'aurais tendance à dire... accessible pour tous. Voilà, accessible pour tous. Et savoir que les gens ne se disent pas, je ne peux pas franchir ce lieu, je ne peux pas rentrer dans un musée, je ne peux pas rentrer dans un théâtre parce que ça ne va pas m'intéresser. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Il faut déjà franchir le pas. Enfin, pour moi, c'est très important. Quoi. C'est très bien dit. Claire, justement, on parle des écoles, tu voulais en parler un peu plus longuement. Quel est le travail, justement, de Ruban Vert avec les écoles, en l'occurrence ceux de Villeneuve-sur-Yonne ? Ça a été, de libérer leur créativité. Et franchement, je pense qu'ils se sont... J'ai entendu dire qu'ils se sont bien amusés. On a vu quelques photos du making-of et leurs œuvres sont étonnantes. D'accord. Donc c'est des œuvres qui vont être exposées demain. C'est des œuvres qui font partie du parcours, d'accord, qui sont donc des œuvres collectives. Et franchement, il y en a qui sont mais géniales, très gays. J'ai pas envie de spoiler, comment dire. Oui, il faut leur donner un petit peu envie quand même. Il y en a une qui va donner envie. Parce que j'allais en parler d'une aussi. Le chef cuisinier du lycée de Sens a apporté 37 boîtes de conserve. D'accord. Qui ont été métamorphosées par tous ces écoliers et installées pour protéger des piquets d'une barrière. D'accord. Et ben, cette barrière va être un lieu de promenade pour de nombreuses personnes, je pense, parce que c'est extraordinaire. Atypique et, voilà. Et fait par, évidemment, c'est des primaires, c'est ça ? Oui, c'est des primaires, c'est l'école Joubert. Voilà, l'école Joubert, l'école Saint-Louis. Et l'école Saint-Louis, et puis le centre de loisirs. Centre de loisirs qui ont participé. Et puis, il y a un abribus de la forêt qui est quand même maintenant exceptionnel dans sa catégorie, on peut le dire. C'est super. Et puis, il y a encore une dernière œuvre qui va être installée cet après-midi, comme quoi on aura travaillé jusqu'au dernier jour. Non, pas par les enfants. Elle a été faite par les enfants et on va l'installer, parce que c'était un peu compliqué pour les amener sur le terrain, voilà. Mais qui est très prometteuse. Très bien. Et ben, c'est à voir à partir de demain, 10h30, devant la gare de Villeneuve-sur-Yonne. Le départ est là. Vous allez commencer par voir
là je spoil un petit peu, la première œuvre qui va forcément, parce que moi j'ai fait un petit tour la semaine dernière, si je puis dire, où j'ai vu une dizaine d'œuvres, qui est un mur, une fresque magnifique, magique. Et c'est bien que ça commence par ça. Je trouve que là on passe de l'urbain un petit peu, si je puis dire. Voilà, et après on part sur des œuvres comment fabriquer, on en parlera justement avec toi Xavier Bernard, justement sur le travail, en l'occurrence le tien. Tu pourras aussi dire un mot sur ce que tu as vu autres, d'autres artistes, absolument. Autres oui. Voilà. On continue, hein? Ça va bien? Tout va bien? Tout va bien? Ça va pour tout le monde? Bon, merci encore à vous. On continue parce que c'est à l'école de la deuxième chance à Joigny que Noah, stagiaire de la télé de Lyon, s'est rendu avec Robin Minéo pour interviewer, rencontrer l'un de ses formateurs pour nous faire découvrir cette école de la deuxième chance. Un dispositif passerelle offrant aux demandeurs d'emploi de 16 à 30 ans, peu ou pas qualifiés, une nouvelle chance d'insertion économique et sociale avec un accompagnement individualisé et une réflexion sur le projet des demandeurs d'emploi. Je vous propose de regarder ce sujet. Nous nous sommes rendus à l'école de la deuxième chance de Joigny. Nous allons interviewer l'un de leurs formateurs qui est en charge du numérique. Il nous expliquera le déroulement de l'E2C, alias l'école de la deuxième chance. Alors l'E2C, c'est un dispositif passerelle qui accompagne des jeunes de 16 ans à 30 ans sans qualification ni diplôme ou avec peu de qualification. On les accompagne dans un projet global, dans une projection professionnelle et socio-professionnelle, et notre but aussi c'est de lever les freins. Les jeunes, en fait, ça commence à partir de 16 ans jusqu'à 30 ans. La formation à l'E2C, elle n'est pas payante, elle est rémunérée. Seulement le jeune, il est considéré comme un stagiaire de la formation professionnelle. Le financement est assuré par la région et puis par l'Europe. Le jeune est rémunéré, en fait, et la rémunération, elle dépend de l'âge. Petite information pour la rémunération. Entre 16 et 18 ans, vous serez payé 450 € et entre 18 et 30 ans, vous serez payé 650 €. Et puis, il y a des aides aussi qui sont liées au transport. L'E2C est ouverte à tout public. Il n'y a pas une demande de nationalité française pour être à l'E2C. Il faut être résident en situation régulière pour intégrer l'E2C. On est en train d'élargir un petit peu notre panel de projets. Différentes activités sont réalisées d'ordre professionnel à travers les ateliers du job dating, ça veut dire la création de CV, de lettres de motivation, des simulations d'entretien, d'embauche, et puis des ateliers d'ordre culturel, des visites, des musées, monter à Paris, découvrir des choses, et puis des projets aussi comme les ateliers cuisine qu'on fait une fois par mois avec le CCAS qui nous prête leur cuisine. Et puis on est en train de développer un atelier en fait qu'on appelle création métal et bois. C'est un atelier que j'encadre personnellement parce que j'ai une formation d'éducateur technique spécialisé. On apprend aux jeunes en fait, outre les savoir-être professionnels, une approche plus technique du travail et puis de la création. Voilà, on en sait un petit peu plus justement sur l'école de la deuxième chance et je vous propose, vous qui êtes jeune, entre 16 et 30 ans, voilà, si vous cherchez un petit peu, n'hésitez pas à aller rencontrer les conseillers, les formateurs de cette école. Et merci encore à Noah, jeune stagiaire de la Télé de Lyon, d'avoir réalisé ce reportage. On continue avec ce projet et cette folle exposition, si je puis dire, parce que c'est comme ça que je l'ai trouvé moi, ouais, samedi dernier, en venant découvrir ce parcours à travers déjà quelques œuvres qui étaient installées avec l'association Ruban Vert et le chemin des artistes, pas le chemin des artistes, je le rajoute à chaque fois, le chemin des artistes, non, c'est chemin des artistes. Et là, justement, en parlant d'artistes, on en a un sur le plateau, c'est Xavier Bernard, qui est un artiste celte. Alors là, tu vas m'expliquer ça, Bernard, Ota Wadedge. Oui, alors... On va commencer par ça, juste pour moi, déjà. Ok. Alors, pour quand même reprendre aussi avec le ruban vert et l'idée du ruban vert, c'est donc, on a fait une promenade, on a marché, on nous a présenté différents lieux. En tant qu'artiste, on s'est trouvé sensible entre cette sortie de ville avec ce dos de la gare de Villeneuve-sur-Yonne et ce passage entre des vieilles usines désaffectées et autres, et cette jetée dans la nature avec cette partie aussi de cité, de zones pavillonnaires qui sont là. Et ce trait d'union entre ruban vert qui anime le Gâtinais et qui se trouve partagé avec la forêt d'Hôte, eh ben Ota, c'est le nom ancien de la forêt d'Hôte, qui veut dire assemblée d'arbres, Ota. Ok. Et Wood Edge pour l'idée d'un cercle comme il y a Stone Edge en Angleterre. Donc là, c'est des arbres, c'est des poteaux, idoles,
qu'on avait l'habitude de connaître dans les campagnes et de pratiquer dans les campagnes, le 30 avril, les garçons déposaient chez les jeunes filles à marier un arbre. D'accord. Ça s'appelle la fête des mets. Et donc, ça se connaissait encore sur Villeneuve, ça s'est terminé dans les années 80-90 par de sortes de grands chahuts-bahuts de garçons qui récupéraient les volets des fenêtres, les pots de fleurs et tout ça, qui mettaient ça sur le 1er mai, il fallait les récupérer. Oui, oui, oui. Mais c'était la nuit du 30 avril que ça se faisait. Oui, oui, et terrible. Donc, il fallait venir récupérer ça. C'était terrible. Voilà comment ça se terminait. Et ça, c'est la culture du territoire de la forêt, avec ses fêtes celtes, entre autres. Merci beaucoup pour cette explication claire. Et voilà, je comprends mieux tout ça. Un grand moment, j'imagine, pour toi, en tant qu'artiste, et puis pour les autres, évidemment, quand tu as créé cette œuvre et que tu es arrivé et tu l'as déposée dans cet environnement dont tu ne savais pas du tout où est-ce qu'elle allait atterrir, en fait. Alors, donc du coup, on s'est promené, c'était fin février, on s'est promené, on a fait tout le parcours, on a vu différents endroits, au fur et à mesure, les artistes, comment on se sentait présent et animé avec ça. Je vais le dire très clairement et le répéter plein de fois en regardant Claire, en regardant Béatrix, parce que véritablement, il y a un soutien au niveau de la gestion du projet, au niveau de la communication et moi-même pour installer de la ville, des services municipaux qui sont venus donner le coup de main, le coup de pelleteuse, là, comme ça, pour faciliter le travail. Donc ça, ça a été la première chose. Après, l'idée, c'est l'homme, la nature, la situation aujourd'hui de l'homme dans la nature et comment on va continuer à être présent et à faire et à moins détériorer cet espace et du coup inviter les personnes à venir constater des petits émerveillements parce qu'il y a des artistes, mais il y a quand même un artiste principal, c'est la nature. Oui. Ça c'est beau. Il explique bien, Claire. Parce qu'on a dit, on a des artistes inspirés. Incroyable. C'est vraiment, non, mais je... On plaisante, mais les artistes ont été inspirés par la nature et c'est franchement le résultat qui est là. Quoi. Mais est-ce que c'est... alors, je reprends un petit peu une interview qui a été faite par une collègue qui est en face de moi là, qui est de l'autre côté. On va saluer Sophie, qui est celle qui s'occupe de la relation presse. On peut en parler deux petites secondes. Toute la communication de l'opération. Et donc, merci Sophie d'avoir organisé cette... J'aurais dû la faire venir à côté de moi. Direct aujourd'hui. Très bien. Donc, je reprends donc une de ces questions. Est-ce qu'il est difficile de lâcher une œuvre en pleine nature en acceptant un éventuel, dégradation de son œuvre? Est-ce que ça, c'est on peut l'accepter et la lâcher en disant « elle ne m'appartient plus ». Alors, peu importe qui. Dans, je sais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le questionnement. Par exemple, quand je suis venu installer avant le 30 avril, des gens qui passaient par là me disaient « oh, vous posez ça à tel endroit, mais ça va être saccagé, ça va servir de ces bouts de chaîne pour faire un barbecue ou autre. » Ok, bon, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, le sentiment de tout ça, c'est vraiment bien mené, c'est vraiment bien accompagné. Comme dit Claire et les autres artistes présents dont j'ai là la liste, Dominique, Yvan, Evelyne, Carmen, Étienne, Cécile, Crazy Spray, Sozig, Marie... Ah, il y a Crazy Spray. François, Fiona, Claire, Cédric, Pierre, Dominique, Magali, Muriel, Harold, Rouge-Rune, Michel, Noël, Estelle, Pierre et Alix. On devait par exemple, les enfants qui vont être présents et tout ça. Moi, j'ai vraiment pas eu de doute là-dessus parce que le projet est très bien mené et on est très bien accompagné. Donc du coup, en se lâchant bien dans notre art, en se lâchant bien dans notre expression, eh ben, on ne rencontre pas de vandalisme. On suscite de la curiosité, de l'interrogation, on est présent pour expliquer, parce qu'il y a cette communication. Et du coup, j'oublie le vandalisme, parce que c'est tellement bien donné de la part de tous les artistes, je ne vois pas de vandalisme. Après, le temps, on est en extérieur, le temps alors, va par donner... Par contre, tu peux être vandalisé par, justement, le temps. Alors ça, c'est l'anthropocène de notre monde, aussi, et du climat. Il va faire très sec. On a une artiste qui avait prévu un aménagement... il fait tellement sec que son aménagement n'a pas pris. Ah ouais. Donc, du coup, complexité, comment ça va être retravaillé. Donc, on a été confronté à ça. Et ça, c'est très intéressant en tant qu'artiste, dans cette logique-là. Quelquefois, on est en collectif. Et là, on est avec un mouvement qui communique sur la nature, sur l'écologie, sur l'environnement. En étant ouvert à tous, ça nous donne de l'envie de création. Ça aide à cette envie de création.
Très bien. Bah, je crois que c'est clair, il me semble. Hein. En tous les cas, merci beaucoup, Xavier Bernard, d'être venu ici. Artiste celte, tu peux expliquer ça? Artiste celte, pour l'idée que sur mon territoire, comme il y a des artistes peintres, j'aurais envie de rigoler. Il n'y a pas beaucoup de celtes dans le coin. Ben si. Ah si. Bah Brennus. Ah oui. Alors oui. Mais sinon, le seul peuple celte qui a réussi à envahir Rome, c'est les Senons. Donc voilà. Et puis par contre, non. Sérieusement, par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, la logique d'un peuple premier, d'un peuple ancien, et la culture celte, par ses rythmes, ses célébrations, eh ben ça amène à une meilleure culture, à une meilleure compréhension de notre environnement et de mieux fonctionner dans l'écologie. Très bien, merci beaucoup Xavier Bernard, que vous pouvez retrouver son œuvre donc sur ce chemin des artistes parmi tant d'autres. Un petit mot pour conclure. Ceux qui ne peuvent pas venir demain, vous pouvez venir tous les jours, puisque c'est ouvert tout le temps évidemment, c'est le principe. Mais vous pouvez aussi, le prochain grand rendez-vous, c'est le 6 juin, c'est le lundi de Pentecôte, donc c'est une bonne journée pour faire une balade. Et c'est une randonnée théâtre. Donc, Xavier disait que ça a inspiré des artistes. Il y a une troupe de théâtre qui s'appelle Oxymore qui va faire une pièce de théâtre devant des œuvres. Et ensuite, le soir, on rentre au Théâtre de Villeneuve et elle fait une fresque du climat. Donc, pour tous les gens qui se posent encore des questions sur ce que c'est que cette histoire de changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y a pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qui ont envie d'en parler, eh ben, rendez-vous le 6 juin. Et c'est franchement quelque chose d'extraordinairement innovant. Très bien. Un spectacle un peu interactif, on va dire. Ouais. Ça, c'est du théâtre forum. Très interactif. C'est ce que j'allais dire. Et le faire en plus dans un site particulier, voilà, c'est vraiment une expérience à recommander. C'est marrant parce que du coup, le théâtre sort. Le théâtre hors les murs aussi. Et l'expo rentre dans le théâtre. Enfin, voilà. Donc c'est un mélange de plusieurs choses et qui est très inspirant. Cette fresque qui rentre au théâtre, c'est ça? Pas de barrière. Voilà. Pas de barrière, absolument. Merci à vous trois, en tous les cas, de nous avoir longuement parlé de ce projet qui démarre demain, 10h30, devant la gare de Villeneuve-sur-Yonne. Et tous ensemble, on partira à la découverte de ces œuvres et surtout de cette nature. Parce que c'est d'abord et avant tout, je pense, la thématique de base, évidemment. Et n'hésitez pas, si vous voulez retrouver toutes les informations, vous allez sur le site internet lerubanvert.net. J'ai aussi un mail qui doit apparaître à l'écran. Voilà, si vous voulez envoyer un mail, prendre rendez-vous par exemple pour une exposition. contact@lerubanvert.net. Ah, lerubanvert.net et pas le chemin des artistes, chemin des artistes. Demain, 10h30, devant la gare de Villeneuve-sur-Yonne. Je compte sur vous, on y sera tous. Il y aura une équipe télé qui sera là en plus pour couvrir l'événement. Et encore bravo au travail de votre service communication, si je puis dire, Sophie, pour tout ça qui ne lâche rien. Voilà. Et puis moi, je vous propose tout de suite maintenant. Non, vous n'avez plus rien à rajouter? Ah, encore un petit mot? J'avais dit que ça allait être long aujourd'hui. Et aussi, merci Antoine, parce que cette belle affiche qui est derrière vous est une œuvre aussi du directeur artistique du Ruban Vert, Antoine. Voilà, merci à Antoine pour cette belle affiche. Effectivement, vous allez retrouver partout affichée, voilà, évidemment, et sur les réseaux sociaux, parce que j'imagine que vous avez une page Facebook également. Instagram aussi. Également. Service communication de la ville. Et le service communication de la ville, bref, en tous les cas, ce projet, vous ne pouvez pas passer à côté, ce n'est pas possible. Combien de kilomètres? Je ne l'ai pas demandé. Combien de kilomètres ce chemin fait? 10 kilomètres. J'avais oublié. Alors, il faut prendre, important. Ah oui. Et il y a des raccourcis pour ceux qui veulent 4 km. Pour qui 10 km, c'est long, surtout que ça monte un peu et ça descend. Il y a un raccourci qui permet de le faire en deux fois 5 km. Ah, c'est parfait. Donc ça élargit beaucoup le public. Oui, on part le matin, on fait un petit pique-nique le midi, on fait 5 km l'après-midi, c'est ça? Pour la journée, voilà. C'est ça, dans la journée. Il y a quand même 4 mois de. Oui, d'expo, donc on peut en profiter. Merci à l'association des rubans, le Ruban Vert, d'être venu ici pour nous parler de ce projet Chemin d'artistes. Merci à la mairie d'Innoff-sur-Yonne d'être venue ici même. Merci aux artistes, un des artistes en tout cas d'être venu. Je vous propose tout de suite maintenant de vous parler, alors attention, deux salles, deux ambiances, on va parler maintenant des sorties sportives, les matchs de ce week-end.
En football, la GIA affronte le FC Sochaux dans le match du deuxième tour des play-offs au stade de la Baie des Champs ce vendredi 20 mai à 20h30. Ce match est à suivre en intégralité, bien sûr, sur France Bleu Auxerre. Et là, il faut vraiment qu'on gagne les deux derniers matchs et puis on sera en Ligue 1 avec la GIA Auxerre. Alors là, moi, j'y crois fort. Allez, la GIA. En National 3, le Paron FC se déplace, lui, sur le terrain de Mortouf-Mont-le-Bon pour le compte de la 24e journée. Allez, Paron. Très chauvin avec mon département. En régionale féminine 1, les Auxerroises de la GIA Stade se déplacent en Côte d'Or à Selonger pour y défier l'IS Selonger Football. Le match est à 15h. Et c'est tout pour le sport pour ce week-end. Allez, parce que je ne peux pas m'en empêcher, on retourne à la culture avec l'agenda des sorties de ce week-end. Comme chaque semaine, la rédaction vous dévoile ses idées de sortie pour le week-end, voire même plus. Et bien ce soir, à Tény, je ne connais pas bien cette commune de Lyon. Il va falloir y faire un tour, les gars. À Tény, en tous les cas, dans les Hauts-de-Forterre, la 17e édition du Festival des Arts de la Rue et des spectacles vivants sera mise en place jusqu'au samedi soir inclus. Au programme, des spectacles gratuits avec du théâtre, du cirque, de la magie, de la musique. L'entrée est gratuite. Cet événement est bien sûr organisé par les Amis du patrimoine de Tény. Voilà, j'ai été bien, faut dire oui. Samedi 21 mai, à Migennes aura lieu la fête au port avec une pêche à la truite écolo le matin, des animations pour toute la famille, des concerts à partir de 18h et un feu d'artifice pour clôturer la journée. C'est une manifestation gratuite organisée par l'Office de tourisme du Migennois. On continue, dimanche, il y a beaucoup plus que le sport. Vous avez vu, la culture, là, c'est parti. Hein. Tant mieux, on nous a tellement enfermés que là, du coup, dimanche à 7h30 jusqu'à 18h, un vide-grenier en extérieur se tiendra en place à Paron, organisé par le club de l'amitié, accueil et culture, buvette et restauration sur place. N'hésitez pas à y aller. Et toujours ce dimanche, mais à Joigny, est organisée la fête du vélo. Voilà, ça c'est bien. Projet porté par Eric Apfel, conseiller municipal délégué aux mobilités douces et au numérique, et par un réseau de bénévoles. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de Mal à vélo. Alors venez avec votre vélo et participez au concours de vélo le mieux décoré. Ça rappelle le vélo fleuri quand on était gamin. Ouais, exactement, ça claque absolument. J'adore l'idée. Voilà, c'est tout. Alors attendez, juste avant de finir quand même, je rappelle, demain matin à 10h30, devant la gare de Villeneuve-sur-Yonne, le départ du chemin des artistes. Voilà, absolument, faut y aller. Voilà, c'est tout pour l'agenda des sorties culturelles. Toujours culture, toujours, mais cette fois-ci, on va parler d'un bouquin, voilà, ici, qui est là, avec un artiste qui était patient, avec un écrivain qui a été patient tout au long de ce JT. Merci encore, Philippe Fro, d'avoir patienté et d'attendre la rubrique des 5 dernières minutes, et je m'occupe de toi tout de suite. Okay. Philippe Fro est avec nous aujourd'hui dans ce journal d'information locale. Merci beaucoup Philippe. Bah, merci à toi. Les 5 dernières minutes te sont destinées. Alors on dit 5 dernières minutes, c'est juste le nom. Tu peux déborder un petit peu. Ok, d'accord, pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup à dire, d'accord, te concernant. Mm-hmm. Philippe Fro est un écrivain. Il a eu un bac littéraire. Il devient boulanger, eh oui. Mais des ennuis de santé le contraint à cesser son activité. Il a même été boxeur, et boxeur professionnel à haut niveau. Entraîneur, absolument. Voilà. Et en 2015, il a décidé de rebondir et de dire « J'arrête, je peux pas, faut que je fasse autre chose, donc voilà. Je me mets à écrire. » Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à suite au deuxième infarctus, on m'a fait comprendre que bah, la boulangerie-pâtisserie, de toute façon, c'était terminé pour moi. Donc, je me suis retrouvé à pas trop savoir quoi faire. Et puis, je m'ennuyais un petit peu. J'ai commencé à écrire. Et la chance que j'ai eue, c'est que le premier livre, qui s'appelait « Larguer les amarres », a plu à une maison d'édition. J'ai été édité. Et puis après, bah, ça s'est lancé tout doucement comme ça. Et de fil en aiguille, ça a monté. Voilà. Mais alors, 4 titres donc s'enchaînent. Tu viens de le lire, « Larguer les amarres » en 2016. « L'optimiste triste » en 2018. Oui. « Prisonnier de vivre libre » 2018. Et L'Aigle rouge des frères jumeaux, 2018 aussi, 2 livres de la même année. Ouais. C'est-à-dire, tu dors pas? Comment ça se passe? Bah, généralement, je sors à peu près ça, à peu près 2 livres par an. Là, c'est pareil, là, le 10e qui est sorti. Et je pense que le prochain, là, je vais le sortir en juin ou juillet.
Et il y en a encore un, je pense, avant la fin de l'année, ouais, de toute façon. Ah oui, donc c'est-à-dire que c'est une drogue, quoi. C'est, ah bah j'ai un besoin d'écrire, ouais. Quand je suis, on va dire, 2 mois sans écrire, ouais, il y a un manque, il y a quelque chose. Il faut absolument que je prenne le stylo et que j'écrive comme ça. Parce que encore, c'est encore le travail à l'ancienne. C'est le... Mais une vie quand même atypique, parce que tu as aussi été, si je puis dire, SDF. Ouais, je me suis retrouvé, bah après, justement, l'optimiste triste, c'est un peu mon histoire. Bon, ça s'est pas su tout de suite, j'en ai pas parlé tout de suite. Parce que, malgré ce qu'on peut dire, il y a toujours un petit peu un sentiment de honte. Après, les gens vont vous dire, ouais, ça peut arriver à tout le monde et tout, mais quand ça vous tombe dessus, on n'a pas trop envie d'en parler. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé une boulangerie, j'étais parti créer une boulangerie aussi dans le Nord, à côté de Valenciennes. Et au bout de 6 mois, bah, y a eu une rupture avec, on va dire, ma compagne de l'époque. Donc j'ai essayé de tenir tout seul. J'ai essayé de tenir. Au bout d'un moment, bah, j'ai été obligé de tout abandonner. Donc on m'a conseillé de me mettre en liquidation judiciaire. Seulement en liquidation judiciaire, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vos comptes sont bloqués. Vous êtes automatiquement interdit bancaire. Ça, je ne le savais pas. Donc quand j'étais pour reprendre de l'argent, bah, plus d'argent, plus rien. Donc après, je suis revenu sur Auxerre et j'ai dormi, oui, pendant 12 jours, place des Cordeliers, heureusement, place de l'Arquebuse, pardon. Mais heureusement, j'ai eu ma voiture quand même. Donc, mais je suis resté quand même 12 jours comme ça à la rue. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que l'écriture t'a sauvé ? Bah, en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui me voyait pas mal traîner dans la rue. Et puis, c'est des gens qui font des maraudes, donc ils ont un peu l'œil pour tout ça. Et il m'a dit à l'époque, il y a un boulanger à Toussy qui recherche quelqu'un. Et donc, je me suis présenté comme d'accord, ça. D'accord, retourné. Derrière l'écriture, ouais, bah, m'a aussi aidé. Et puis ça a été, on va dire, une thérapie, quoi, d'écrire ce livre-là. Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu habites du côté d'Auxerre, ouais. Donc dans notre beau département de l'Yonne. Tu as été entraîneur de boxe. Oui. Comment on peut faire de la boulangerie-pâtisserie à, je sais pas, 3h du mat, 2h du mat, hein. 1h du mat. Une heure du mat, c'est-à-dire, alors moi, je me couche, en gros, tu vois. Et après avoir terminé ta fournée, ou ouais. C'est comme ça qu'on dit, hein, ou avoir mis les mains en pétrin, c'est ça, si ouais, je puis dire. C'est ça. Et ensuite, arriver, mettre les gants. Et... Bon, on dort pas beaucoup, en fait. Ce qui se passait, c'est que moi, j'allais à la salle de 18h jusqu'à 21h. Donc, je rentrais. Je prenais une douche, je me couchais à 22h, je me levais à minuit et demi, ça a été comme ça pendant une bonne dizaine d'années. Et puis, bah ouais, je dormais pas beaucoup. Tous les week-ends, je les passais à blanc. Ouais. C'est-à-dire que le samedi soir, j'emmenais ou des pros, ou des amateurs boxés. Après, j'allais directement au boulot. Le dimanche matin, quand je rentrais, bah pareil, je reprenais vite fait une douche. Et là, c'était les enfants que j'emmenais en boxe éducative. Et puis au bout d'un moment, bah, c'est là que ça a pété inévitablement, parce que à force de trop tirer sur la corde, on se prend un petit peu invincible quand on est dans le mouvement, mais au bout d'un moment, ça doit lâcher, quoi. Donc retour à aujourd'hui. Oui. Hein, c'est important de parler un peu du passé. On comprend mieux d'où tu viens et où tu arrives aujourd'hui. Et c'est pas fini, parce que tu as 1000 projets, on en a parlé tout à l'heure. En tous les cas, aujourd'hui, Philippe, tu sors avec mes fils. C'est ton 10e. Comme un roman. Oui, c'est ça. Je crois que moi, pour t'avoir reçu 3-4 fois quand même ici, il y a toujours un morceau de ton histoire dans tes romans. Oui, ça c'est quelque chose, je ne peux pas m'en empêcher. Puis je pense que s'il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme ça, on met tous un petit peu des bribes de notre histoire dans chacun de nos romans. Ouais, j'ai besoin de ça. Puis on va dire, à travers certaines phrases ou certaines choses, ça me permet aussi d'évacuer... D'évacuer pas certains problèmes du passé, mais des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et, une sorte de thérapie. Voilà, c'est ça, oui, ça me permet d'évacuer un peu tout ça. Le pitch. J'y vais. Comme ça, si je me trompe. Bon, là, en même temps, je vais lire hein, le pitch. Joseph est un octogénaire, ancien boulanger. Ah, voilà. Il vit très mal sa situation actuelle. Il est le père de 2 fils. Donc, tu as 2 fils. Ah non, j'ai un fils. Ah, là, c'est la partie fiction. D'accord. Denis et Michel, qui se détestent cordialement, c'est donc séparément qu'il les reçoit. Avant de quitter ce monde, Joseph n'a qu'un seul rêve, que toute sa famille soit enfin réunie au grand complet pour les fêtes de fin d'année. Voilà. L'histoire paraît simple, mais les aventures sont folles. Bah voilà, parce qu'en fait, à travers ce livre, j'ai voulu raconter ce qui se passe dans malheureusement beaucoup de familles. C'est tous les non-dits familiaux qu'il y a. C'est-à-dire que ce papa... Bah, il a passé presque toute sa vie à travailler comme un fou, parce que c'est vrai, quand on est à son compte, on a toujours la tête dans le guidon, on met un petit peu la famille de côté. Moi, je suis persuadé, d'ailleurs, ma séparation vient de là aussi, parce que j'étais toujours boulot, il y avait la boxe à côté, donc c'est vrai que la vie de famille, on la fait passer à côté. Il n'y a pas de place. On pense qu'à une chose, c'est, bah, ça va être vulgaire, mais c'est activer le tiroir caisse, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent. Voilà, on a un peu que ça en tête, attirer de nouveaux clients.
Et donc ce monsieur, il a vécu comme ça, au détriment un peu de ses enfants. Il n'a pas vu justement cette haine qui s'instaurait entre ses deux fils. Et cette haine va grimper. Et il y a de la jalousie un petit peu. Et les enfants se sont un peu sentis délaissés par rapport à leur père. Il y a tous ces non-dits familiaux justement qui rentrent en ligne de compte. Oui. Ces deux frères qui ne se peuvent pas s'entendre, ouais. Mais s'entendent très bien avec le père. Bah, non, avec le père, justement, parce qu'à un moment, dans l'histoire, va y avoir un malentendu, justement, et ça va encore créer des histoires avec le père. Donc, ils ont quand même des rapports, on va dire, assez tendus avec leur père. Ils le voient, mais les rapports restent tendus. Ça, c'est pour la sortie, évidemment, du 10e ouvrage donc de Philippe Fraud, « Avec mes fils, retrouvons-nous ». D'autres sortes vont sortir aussi oui. Cette année. Mais tu commences déjà à écrire des scénarios, ça y est. Voilà, c'est ça. Là, en ce moment, je travaille sur deux scénarios. Il y en a un, c'est un scénario de court-métrage, où on m'a demandé là, de faire une correction. D'accord. Par rapport au séquencier. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui démarre et au niveau séquencier, il savait pas trop comment s'y prendre parce que c'est vrai qu'on n'écrit pas du tout un scénario comme un roman. Là, tout doit être vraiment très séquencé, tout doit être détaillé. Bon, la différence aussi, c'est qu'on n'utilise pas des grosses phrases littéraires. Ouais. Hein, là, ça reste un peu intérieur jour, c'est voilà, jour, c'est ça, salon, voilà, c'est ça. Et à côté de ça aussi, je suis en train d'écrire un scénario pour la télévision. Alors, je ne sais pas encore sur quelle chaîne. Je pense que ça sera une chaîne. On est plus branché. On peut dire le nom des chaînes. Ah, mais tu peux dire tout ce que tu veux. Ça sera, je pense que ça sera plus quelque chose comme Netflix ou Amazon. Je d'accord. Pense que ça va plus okay. Être sur cette chaîne-là. Et en fait, ça va être l'histoire. Bon, je ne peux pas dire encore son nom parce qu'on a signé le contrat, mais pour l'instant, c'est pas. Donc, on va dire c'est l'histoire d'une histoire de quelque chose qui s'est passé dans le sud de la France, un trafic d'argent dans un casino, la personne a été mêlée plus ou moins à ça. Plutôt série, plutôt long métrage. Plutôt série, ça va être une mini-série, ouais. Je pense que ça sera quelque chose en 4-5 épisodes. Je suis en train de travailler là-dessus. Ouais. Donc quand on fait le point et quand on écoute, on voit d'où il est venu, on voit aujourd'hui où il est arrivé, tout est possible. Philippe. Bah tout est possible, ouais. Oui, c'est ça. Tout est c'est possible. Ça, c'est ça. On peut être boulanger demain. Et puis voilà, c'est ça. Voilà. Le truc. C'est ça. C'est l'école de la troisième chance. Voilà, faut toujours quelque part, on va dire la chance que j'ai eue, c'est que je suis pas du style à mettre la tête sous l'eau, quoi. J'ai toujours ce truc de même quand il y a des soucis de rebondir. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est quand on a la tête sous l'eau pour respirer. De toute façon, on n'a pas le choix. Et voilà, pas le choix. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a de la chance, effectivement, il y a du talent aussi. Mm-hmm. Donc, je vous encourage tous à découvrir le travail de Philippe Fraud à travers ses romans et peut-être bientôt ses futurs films, en tous les cas. Je te le souhaite vraiment. Bah, c'est gentil, merci. Tu n'hésites pas à revenir ici pour pas de problème, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir. Merci à toi, Philippe Fraud. Je sais aussi que tu vois mon collègue, mon ancien collègue, si je puis dire, de temps en temps, tu montes à Paris. Jackie, oui, j'ai fait une émission avec lui la semaine dernière. Ah, ben voilà, la semaine dernière, oui. Et ben, le prochain coup que tu y vas, tu diras, t'as le bonjour de Miguel. Pas de problème. Ça marche. Merci à toi, Philippe Fraud. Je vous le rappelle, vous pouvez donc ce livre, voilà, coûte 17 euros. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes, sur Amazon, la Fnac, Cultura et dans des librairies, à la librairie de Saint-Fargeau, à l'Intermarché de Toussy, à la librairie L'Autre Monde à Avalon également. Très bien. Et ben voilà, super. Avec mes fils, retrouvons-nous de Philippe Fraud. C'est édité. En auto-édition. Voilà, c'est ça, en auto-édition. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Fraud. Ben, merci à toi. C'est tout pour les 5 dernières minutes. Et on arrive à la fin. Enfin, comme dirait d'autres. Juste une dernière information quand même avant de terminer ce journal. Les équipes donc du CH de Sens et les infirmières de l'EHPAD de Saint-Jean embarquent ces 53 résidents. En Afrique, un repas africain préparé par ces 5 soignants originaires d'Afrique donc sera dégusté avec les résidents. Voilà, les festivités, l'ambiance africaine seront mises à l'honneur en ce vendredi midi. Bon appétit à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce JT toute la semaine. Bravo les jeunes. Merci encore à vous d'avoir participé à ce journal d'information locale. Bon week-end. Bye bye.